Bienvenue, nous allons débuter cette UEFA Europa League ensemble aujourd'hui avec ce match. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Hello my dear, très content de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. L'hymne de l'Europa League qui retentit maintenant dans le stade, c'est beau. On va voir ce que nous réserve ce match. C'est bien donné, sur le côté. Le ballon a franchi la ligne. Cachia. S'il le trouve... Chan. Il relance côté droit. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon ballon. Tolejon. Bien servi. C'est joué long. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue dans l'espace. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Chan, c'est osé. Quelle bonne passe. Bon là, ça ne passera pas. Avantage défense. Allez, on commence à s'ennuyer là. Ce match manque de but. Ils obtiennent la touche. Le ballon sort en touche. Ouverture lumineuse. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut repiquer dans l'axe. Il est passé. Il tire. Le ballon a frôlé le poteau gauche. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Dégagement. Torrejón. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. Chan. Philippe Coutinho. Et ce ballon sur l'aile. L'interception au bon moment. Il décide d'allonger le jeu. Il accélère côté droit. Chan, la passe en retrait vers son défenseur. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. C'est joué long, attention. Le jeu repart vers la droite. Pour trouver la faille dans la défense. Il glisse le ballon en profondeur. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés.
0-0 à la pause. On espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux buts. Liverpool, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Moreno qui récupère ce ballon. Il écarte le jeu. Il file au but. Une occasion. Oui, il peut frapper là. Oh, c'est un arrêt important ça. C'est un super arrêt. Fine save. Premier corner dans cette rencontre. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Un centre lointain. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Mais il était bien présent. Voilà un marquage très agressif. La tactique est claire, ils attaquent le problème à la racine. Il va avoir besoin de soutien. Le bon dribble. Et c'est la première faute du match. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Philippe Coutinho. Touche. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain, un changement va intervenir sous peu. Chan qui est récompensé de son pressing. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est bien défendu, il faut dire. Oh, l'intervention pleine de détermination. Voilà, un coup franc intéressant. Et cette faute pourrait l'obliger à sortir. Une très longue passe. Il est passé. Il peut en profiter. Et ça rentre. Ah, mais c'est parfait. C'est le moment idéal pour prendre l'avantage dans cette fin de rencontre. Non, mais quel sang-froid. Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Sur les bandes touches, changement peut-être. Il est fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Liverpool qui a donc ouvert le score. La faute est sifflée. Le tacle énorme dans la surface. Essayer d'y aller seul, mais sans réussite. Il choisit la profondeur. Bon dégagement, bien joué. Quelle intervention! Il essaye un long ballon. Allez, plus que quelques instants à tenir. Bien joué, ça! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur.
toujours attention. Il file au but. Un long ballon vers l'avant. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Voilà un beau départ avec ses 3 points mérités. Ça va leur donner énormément de confiance pour la suite. Vous savez, c'est parfois compliqué d'être prêt physiquement et mentalement dès le début de la phase de groupe. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège.